Oui, le 8 novembre, on a un beau souper bénéfice là, au profit en fait du groupe Espoir de Baume-Saint-Saëns, qui est une maison de répit là, pour handicapés. Donc, on a besoin de faire là, des levées de fonds là, pour cette maison-là là, qui accueille des jeunes de 0 à 77 ans et fournir à leur famille du répit. Donc, on fait un souper-spectacle. Donc, pendant le souper, bien, on a d'ailleurs une belle table d'hôte à offrir aux convives. Donc, on a un beau 5 services. Et en plus de ça, pendant le souper, c'est animé là, au niveau de la musique. On a Vicky Trudel, qui est une chanteuse qui accompagne Bruno et Daniel pour mettre de l'ambiance lors de cette soirée-là. Et différentes surprises aussi là, qui vont être là pendant la soirée. Ça se fait au restaurant Le Météore. Donc, de Dolbeau, dans le secteur Dolbeau, de Dolbeau-Mistassini, donc au Météore à 6h30, 18h30, là, le 8 novembre. En fait, on est à trouver aussi des commanditaires. Là. Des fois, des commanditaires nous offrent soit des articles là, qu'on peut faire tirer dans la soirée. Là. Présentement, on a trouvé quelques-uns, puis on en cherche encore. Mais on a une œuvre de la peintre Émilie Simard-Pelchat là, qui a bien voulu nous donner une de ses œuvres là, pour mettre à l'encan. Puis c'est ça, là, il y a d'autres choses là, qui s'en viennent là, aussi lors de cette soirée là, pour enchérir les dons, en fait, là. Pour le groupe. J'organise moi-même le souper, mais je suis quand même aidée là, de quelques personnes. Donc, il y a mon amie Vicky, là, qui est la chanteuse, qui m'aide aussi à l'organisation, ainsi que M. Vincent Beckert, le propriétaire du Météore, là, qui s'implique beaucoup aussi au niveau de l'organisation. Donc, ça ressemble à ça. Bien, ça implique d'abord vraiment là, de trouver un menu. Après ça, on s'est même fait aussi une belle collaboration avec le groupe Collabore là, pour avoir un bon souper de qualité qui nous offre quand même une belle commandite. Donc, ça implique vraiment l'implication là, du restaurant, mais aussi des gens du milieu qui vont nous aider à trouver des dons aussi là, par bouche à oreille et puis partage sur Facebook. Donc, tout ça fait en sorte là, qu'on vient à trouver des belles idées là, pour agrémenter notre soirée. Bien, en fait, on a dans la salle de spectacle, parce que ça va se faire à l'arrière, là, au Météore, il y a une salle à l'arrière, donc on est capable d'asseoir 120 personnes, mais si ça déborde, on peut aller du côté du restaurant. Donc, il y a des écrans aussi, donc on va pouvoir projeter un petit peu le spectacle. Là. Il va y avoir de l'ambiance quand même du côté du restaurant. Donc, on peut parler, là, on pourrait se rendre à 150, 160 facilement, mais là, je vous dirais que la vente de billets va quand même assez bien, ça s'envole rapidement. Donc, on est content. Voilà, donc il faut faire vite là, si on veut avoir des belles places. Bien, en fait, je remercie d'abord les musiciens, surtout Mme Vicky, parce que je peux dire que Mme Vicky Trudel, la chanteuse, est quand même l'instigatrice du projet. De par son talent, là, elle fait des spectacles, mais elle a vraiment vu qu'elle connaît ma situation là, au niveau de mon enfant qui a des besoins particuliers. Elle a pensé vraiment là, d'associer son spectacle à une cause. Donc, c'est vraiment une partenaire majeure. Puis, on est content que les musiciens soient présents aussi, Bruno puis Daniel, là, qui sont souvent au Météore aussi, qui sont bien connus, donc ça ressemble à ça. Puis j'ai quand même de l'aide là, pour trouver des commanditaires. Je ne suis pas seule, que je nommerai pendant la soirée. Je garde la surprise. On peut se procurer un billet là, par mon adresse courriel là, qui est tremblaynad@commercialyahoo.ca et aussi on peut appeler au Météore. OK, donc c'est les deux manières de faire, là. Donc c'est ce qui est le plus facilitant. Et moi, je réponds rapidement là, lorsqu'on m'interpelle puis on veut réserver des billets. Là, ça se fait quand même assez bien. Bien, j'invite toute la population de Dolbeau-Mistassini à participer à notre événement. Les gens de Dolbeau-Mistassini, c'est des gens quand même très généreux, là. On sait que c'est des gens que, peu importe la cause, bon, toutes les causes sont bonnes, c'est des gens qui se nomment présents puis qui sont vraiment impliqués. Puis si, toutefois, vous ne pouvez pas vous pouvez pas venir souper, en fait, là, c'est toujours possible de faire un don, tout simplement, pour le groupe. Les petits dons, que ce soit de 10, 15, 20 et plus, là, on est ouvert, bien sûr. Puis on remercie la population là, de nous d'être encore présente là, aux événements qu'on organise.